Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Cities Skyline. Je vais continuer ce nouveau quartier. Je vais pas donner les zones tout de suite. J'ai encore un petit peu quelque chose à faire. Alors, il faudrait quand même. Alors d'abord, je vais repasser en vue un peu moins. J'ai du mal avec cette vue-là. Voilà, je vais repasser comme ça. Ah, je m'embrouille les pinceaux, voilà, là je vais tourner. Ah, du coup je suis un peu trop au sol, voilà. Ce qu'il me faudrait c'est quand même un accès à une petite zone industrielle, enfin plutôt pour mettre comment ça s'appelle? Ah, je cherche mes mots. Les bus, les cimetières, les ordures, tout ça. Et puis il y a autre chose que j'aimerais bien faire en fait. C'est clôturer le cercle par une petite route. Pas besoin forcément qu'elle soit très grande, c'est juste pour pouvoir sortir du truc. Ah, ça fait pas très. C'est bizarre que ça fasse. À la rigueur, je pourrais sortir d'ici. Non, ça va pas. Ou en ligne droite, tout simplement. Hein. Pourquoi se fatiguer? Voilà, comme ça. Sauf qu'il m'a pas fait ça dans le bon sens. Ah, si, c'est... Si. Si, ça va, on va dire. Alors, comme je l'ai dit, il faudrait que j'ai un accès à une mini-zone industrielle, quand même. Je vais partir d'ici. Je vais partir sur une 6 voies. Ouais, ça fait peut-être un peu gros, mais je vais la faire un peu plus longue. Et après, je vais passer à 4 voies, c'est ça? 4 voies. Est-ce que j'ai besoin d'autant de voies là, du coup? Je suis pas sûr. Je vais faire ça. Je vais d'abord faire ça. Là. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça passe pile poil. Ah, là, ça le fait pas. Ça, c'est pour ma zone de service, en quelque sorte. Je mettrai ici. Je vais mettre un dépôt de bus quand même. Enfin, là, je suis ruiné pour le coup. Mais je mettrai un dépôt de bus ici. Alors, ensuite, il faut que je zone tout ça. Et ça va pas être simple. Alors, d'abord, je vais mettre du lourd. Hein. Je vais mettre que des zones. Zones résidentielles, j'ai du mal. De forte densité. J'ai envie de mettre tout ce qui est au centre résidence et tout ce qui est service autour. Ouais, je vais commencer par remplir comme ça. Je vais pas tout remplir d'un coup. Et en face, je mettrai du commerce. Alors c'est pour ça qu'à la base j'ai pas fait ce genre de zone un peu avec des cercles et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'espace de perdu. Et comme la carte au début est pas forcément super grande, je pense que c'était pas très rentable. Alors je peux lancer le jeu. Je pense qu'au début c'est pas rentable de faire ça. Alors on va voir ce qui va s'y installer. Je suis déjà à 9000 de bénéfices, ça c'est cool. Alors, en tout cas, ça pousse vite. L'argent, ça monte vite aussi. Je crois que j'étais obligé de faire un site de décharge. Ça me gêne un peu la pollution. Je suis à l'extérieur de la zone pour ce qui est de la pollution.
Espérons que ça nous porte pas trop préjudice. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'ai dit que je ferais un dépôt de bus. J'ai pas d'argent. Ah merde, j'ai oublié l'essentiel, pardon. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et là où il n'y a pas de... Là où il n'y a pas de... d'électricité, il va pas y avoir beaucoup de vie non plus. Alors je vais partir comme ça. Ah, ça ne va pas. Là. Ok, et pour ce qui est de l'électricité, ça va peut-être être un problème. Je vais pas pouvoir. J'ai été obligé de faire appel à des câbles électriques. Je vais pas pouvoir réunir les zones bleues, évidemment. Bah donc c'est pas. J'ai pas trop le choix. Faut que je parte par exemple. D'ici pour l'instant pour aller ici. Dans l'immédiat, je vais m'en tenir à ça. J'en suis où? Question électricité. Ça va, mais c'est limite. Est-ce que je suis sur des zones à 8 encore? Ouais, c'est bon. Là c'est pareil, je suis sur une zone à 8. Je vais peut-être accélérer la vitesse du jeu, encore que... Ouais, pour l'instant non. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand monde dans ma ville. Il y a déjà les éboueurs par contre. Hein. Ça se voit que j'ai diminué la qualité graphique quand même. Ça se ressent. Hein. Alors ils veulent plus de centres commerciaux, donc c'est parti. Alors je pense que je mettrai au centre. Je pourrais. Voilà, j'ai pas d'argent, mais. Je pourrais mettre un parc, mais c'est pareil, je vais pas pouvoir le faire très grand a priori. Ce sera pas un truc immense. Mais même ça, je peux pas. Ouais, en plus, il lui faut une route. Je sais pas si je peux mettre un parc au centre, honnêtement. J'ai des gros doutes, en fait. Ouais, non, je crois pas que je pourrais. Non, parce qu'on peut pas mettre de... Il faudrait qu'il ait deux de large, je pense. Et je veux pas en avoir deux de large. Merde. Bon, c'est pas grave, il n'y aura pas de parc au centre. Bon, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes de circulation non plus. Bon, j'ai quand même fait de la sacrée route la plupart du temps. J'espère que ça suffira. Alors, Ah bon, alors faut tout de suite que je commence par mettre les services, je crois. Ah, sauf que j'ai pas assez d'argent pour mettre les gros d'un coup là. Alors je peux rien mettre au centre parce que c'est des trop petits carrés malheureusement. Je suis pas sûr que les camions de pompiers traversent toute la ville pour venir jusqu'ici. Hein. Enfin, je crois que j'ai un immeuble qui brûle et que. Si ils sont là? Ah mais si ils sont là. Je pensais pas qu'il viendrait jusqu'ici en fait. Bon, c'est parfait. Comment ça, il n'y a pas assez d'électricité? Sérieux. Là, c'est bon. Bah, qu'est-ce qui me saoule? Peut-être que... Le cimetière a besoin d'électricité. Parce que sinon, tout le monde est servi. Et je pense que, question réseau... Je produis largement. Plus d'espace. Je vais le vider. Celui-là, normalement, il doit être vide.
Je vais arrêter de le vider. Alors, le feu a été éteint, ça c'est parfait. J'ai toujours pas assez d'argent pour faire ma caserne de toute façon. Là, ils veulent beaucoup d'habitations. Je crois que je vais tout de suite les servir. Alors au centre, je sais pas ce que je vais mettre du coup. Je vais peindre plutôt. Je crois que ce sera plus simple. Je vais voir grand. Voilà. Bon, j'ai mis ça. Allez hop, c'est parti. Je crois que là, j'ai vu très grand. Bon, je suis un peu navré d'avoir dû baisser la qualité graphique. Du coup, le jeu est quand même beaucoup moins beau. C'est un peu dommage. Bon, j'ai commencé par installer les services. Donc, ce sera la grosse caserne de pompiers le plus près possible du centre. Ce sera là, je crois. Parfait. Ah bah j'ai mis les policiers d'abord, bon c'est un détail. Je vais mettre les pompiers après. Qui coûte combien? 60 000 quand même. Ah bah oui, ça demande quand même un certain temps pour économiser. Je vais accélérer le jeu. Je suis en vue quoi là? Je suis en vue sécurité incendie, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, mais je crois que je le caserai le plus près possible du centre, pareil. Oh, il y a des nouvelles constructions là. Allez. Je veux pas aller plus vite, hein. Alors, j'ai combien d'habitants là? 14 000. Prochaine étape, c'est 16 000, donc j'y suis presque. Ah, je vais bientôt pouvoir mettre mes pompiers. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au centre? Pour l'instant, j'ai mis des habitations, mais je peux évidemment changer d'avis. Ah, ok. Je pense que là c'est... Oula, il va y avoir des upgrades là. J'aime entendre ce son. Alors, aucun info d'amélioration disponible pour l'instant. Oh, mais là, on voit la ville qui change au fur et à mesure. C'est ce que j'adore dans ce genre de jeu. Et celui-là, je trouve, est particulièrement bien fait pour ça. Même si je suis obligé de jouer en tous les... Il n'en reste pas moins que c'est super bien fait. Alors, augmenter la valeur de votre terrain pour permettre les parcs, les places et les bons services augmentent la valeur foncière. Ok. Là, je crois que je vais pas me faire prier. Je vais construire un parc. Alors, il y a un truc que j'ai pas construit et auquel j'ai accès. Alors, c'est pas celui-là. C'est ça. Le stade. Ah, il est immense. Je peux pas le construire au centre, c'est dommage. Là, j'ai accès à autre chose. Tour du grand intérêt. 125 000. Oh, c'est un peu disproportionné, je dois dire. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le parc, je pourrais le mettre. Il est un peu grand, hein. Mais je pense que je vais le construire quand même. C'est un bâtiment unique. Parc agréable du quartier. Ah, et on y a un petit signe comme quoi c'est un bâtiment unique d'ailleurs. Alors j'espère que ça va éduquer plus d'habitants. Ok, donc là, il va me falloir en plus des écoles. Je pense qu'un collège et une université, un collège et une école élémentaire suffiront.
Alors, je devrais avoir ce qu'il faut comme argent. Je vais le caser là. Alors, ça, c'est l'école élémentaire. Et je vais mettre le collège en face. Au centre, évidemment, toujours. Alors, j'y suis presque, hein. Je suis presque au niveau le plus élevé. Augmenter la valeur de votre terrain. Donc maintenant, il va falloir que j'augmente la valeur de mon terrain, je pense. Il faudra que je réfléchisse à faire ça. Il faut vraiment que j'essaye d'en faire le terrain le plus riche. Ah, par contre, problème d'électricité. J'ai un petit problème d'énergie. Alors, ce que je voulais essayer, je vais faire pause. J'ai une nouvelle ressource. C'est la centrale hydroélectrique. Comment que ça marche? Ah ben voilà comment ça marche. Il va falloir le mettre dans le sens de la... Dans le sens du... Comment ça s'appelle? Du courant, évidemment. Et je crois que je pourrais le construire là. Sauf qu'il me faut 72 000 quand même, hein. Et ça produit combien ce petit... Entre 0 et 1600. 1600 mégawatts. Ah oui. Ça change que... Non, c'est beaucoup trop en fait. J'ai pas besoin de ça. C'est quoi ça? Centrale au fuel. Ok. Donc je vais continuer... Je vais continuer sur mes petits... Sur mon petit parc éolien. Beaucoup moins ambitieux que... Que le barrage, mais le barrage produit beaucoup trop. Voilà, déjà, je trouve ça pas mal. Alors, ici, question valeur du terrain. J'espère que ça va bien compenser jusqu'au bout là. Bon, pour l'instant, ça vaut pas si cher que ça, malheureusement. Ah, 16 000 habitants. Usine de traitement des eaux, crématorium. Eh ben d'ailleurs, je crois que je vais installer un... Ah, j'ai pas installé d'hôpital, là. Faut pas que j'oublie. Je crois que j'ai installé le crématorium. Ah, c'est tout petit. Et faut pas que j'oublie l'hôpital. Je vais voir grand, là. Je peux construire ce qu'il y a de plus cher. Ouais, alors, par contre, c'est vrai que c'est immense, hein. Ah, c'est pas grave, hein. Je vais multiplier les services dans cette zone de toute façon. Ah là, je peux tout, je vais tout colorier. Ah, ok, je crois que j'ai fini. Ici, je vais continuer. Je vais colorier ici. Ok. Par contre, je vais peut-être pas faire que du commerce tout autour. Je trouve que ça fait beaucoup. Je vais en faire jusqu'ici. Ah si, allez, c'est parti. Soyons fous. Bon, je pense que question valeur des terrains, ça va largement s'améliorer. Là, je suis pas mal. Ce qui me reste à faire, ce serait des bus, par exemple. C'est quoi ça? Bâtiment abandonné, c'est ça? Mais pourquoi? Why? Franchement, le bonheur est pas trop mal, hein. Alors, est-ce que je fais des bus ou attention, j'ai plus d'argent là. Oh là là, ma ville se remplit à une vitesse. Je vais vite avoir un problème d'électricité, je crois. Il n'y a pas trop de circulation, a priori, pour l'instant. Ah, ici, quand même, au centre. J'ai peut-être pas fait. Alors, c'était la taille de mon rond-point.
Mais je sais pas si je pouvais faire des routes plus larges sur mon rond-point. Parce que là, ça va peut-être poser problème. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais je vais peut-être avoir un problème de circulation. Parce que la ville n'est pas encore à son top. Elle peut aller plus loin encore, évidemment. Comment je vais pouvoir faire? Alors déjà, je crois que je vais faire des bus, évidemment. Ça, c'est une chose. Mais il va falloir que je m'attaque à la circulation. Et il faut que je redéveloppe ma zone industrielle. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de demandes en industrie. Je vais détruire tout ce qui est un peu abandonné là. Je sais plus quoi faire moi pour mon industrie. C'est un peu la crise, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai des usines niveau 2 maintenant? Ouais. Oui, il y en a beaucoup de niveau 2. À peu près toutes. En fait, celles qui sont pas passées niveau 2, je pense c'est parce qu'il manque... je sais pas pourquoi, celle-là par exemple. Pas assez d'employés, voilà. Il manque des employés, souvent des employés sans instruction. C'est quand même dingue ça. Mes habitants sont trop instruits. Augmentez la valeur de votre terrain. Les parcs, les places sont des bons services pour augmenter la valeur foncière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Pas assez d'électricité. Oh, avec tout ce que j'ai construit. Par contre, tout est abandonné là. Je crois qu'il y a un mode qui détruit tout seul les bâtiments. Alors pourquoi j'ai pas d'électricité là? Ah oui, d'accord. Bon bah voilà, j'ai ma réponse. Ça m'embête de faire un câble électrique juste pour ça, mais je crois que je vais pas y échapper. Du coup, ça fait depuis je sais pas combien d'épisodes que je l'ai construit et qu'il a pas d'électricité, cette andouille. Ok, ça c'est bon. Bon bah sur ce, je vais m'arrêter là. Ma ville, mon nouveau quartier se développe pas mal. D'ailleurs, je vais pouvoir bientôt définir des quartiers. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et vous donner rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.